n'était certainement pas fin de Morning Buzz en ce lundi matin. On ne fait que commencer la semaine et on a l'avantage d'avoir un chroniqueur qui nous inspire le lundi matin sur Buzz Radio. C'est évidemment David. Bonjour David. Bonjour Bernard. Bienvenue à toi, le moment d'inspiration. C'est maintenant avec le sujet du jour, on t'écoute. Eh bien aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice pas comme les autres. Il s'agit de dessiner votre vie telle que vous voulez la vivre dans 5 ans. D'accord, on se projette un petit peu dans le futur grâce à toi. Oui, donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de travailler et d'imaginer à quoi pourrait ressembler ou à quoi en tout cas vous désirez que votre vie ressemble dans 5 ans. Qu'ils nous apparaissent réalistes ou impossibles à réaliser, nous devons nous écouter nos rêves au risque d'être frustrés, voire malheureux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'exercice que je vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire dessiner votre vie rêvée, eh bien vous allez pouvoir ressortir des pistes de réponses et des pistes concrètes d'actions que vous allez pouvoir mettre en place dans votre vie pour réaliser ce fameux rêve d'ailleurs. Oui, prendre un peu de risque quand même. Il faut oser imaginer pour, bah oui, comme tu le disais, peut-être avoir une frustration de voir qu'on n'y arrive pas, quoi. Oui, alors ce qui se passe, c'est que c'est tiré d'un exercice de développement personnel que souvent on appelle le vision board ou en français le tableau de visualisation ou tableau de vision. Ça dépend un petit peu de la traduction. Et ce qui est intéressant, c'est que même si on n'arrive pas à 5 ans pile à atteindre ce projet, à atteindre cette vie rêvée, eh bien, je vous assure d'expérience que l'on s'en est rapproché. Ça, c'est forcé. Et donc, c'est pour ça que je propose cet exercice aujourd'hui. Alors, je vais vous expliquer concrètement comment vous pouvez faire. Il y a deux possibilités. Vous prenez une grande feuille, donc le plus grand possible, un plus grand que format A3 par exemple encore, et vous collez dessus des images qui vont vous faire penser à vos objectifs. Par exemple, si vous voulez avoir une belle voiture, eh bien, essayez de prendre une photo du modèle que vous aimeriez avoir et collez-la sur ce vision board. Ensuite, vous pouvez prendre par exemple l'appartement que vous souhaitez avoir. Vous listez vraiment toutes ces choses que vous avez envie d'obtenir, donc de faire être et avoir, on n'est pas juste dans le matériel, donc je parle de voiture et d'appartement, mais ça peut aussi être, par exemple, pour moi, ça va être donner des conférences sur une grande scène, etc., etc. Pour d'autres, ça va être faire de la musique, enfin voilà, vraiment laisser libre cours à vos envies et à ce que vous voudriez réaliser si tout était possible. Et vous prenez des images qui représentent chacun de ces objectifs et vous les collez sur cette fameuse grande feuille qui va devenir votre tableau de visualisation, votre tableau de vision. Et cet outil, pour qu'il soit utile et efficace, il faut l'afficher à un endroit visible dans votre maison, là où vous passez tous les jours. Par exemple, dans un couloir que vous empruntez tous les matins, peut-être au niveau de votre lit, quand vous allez vous coucher, vous allez voir votre vision board. L'idée, c'est vraiment, voilà, d'un moment donné ou à un autre, le voir pour vous rappeler ce pourquoi vous vous levez tous les matins. Et encore une fois, on n'est pas juste dans l'envie matérielle, on est vraiment dans qu'est-ce que vous voulez être, faire et avoir ces prochaines années, et qu'est-ce que vous voulez avoir dans 5 ans. C'est en tous les cas ce que je vous propose avec ce vision board. Une alternative à cet exercice-là, c'est plutôt que de coller des images, c'est de dessiner votre grand rêve. Et voilà, sinon c'est la même utilisation. Voilà, ne jamais oublier l'objectif rêvé, entre guillemets. C'est ce que tu nous conseilles de faire ce matin en le décrivant et en le détaillant concrètement. Yes. Merci à toi, David, pour ton passage une nouvelle fois. Rendez-vous tout bientôt, lundi prochain, pour une nouvelle chronique. Excellente semaine à toi. Excellente semaine également. Retour de la musique sur Buzz Radio.